Salut YouTube, ça va ? Hello à tous, ici She's Flying à l'antenne. On se retrouve après quelques mois sans YouTube. C'est vrai qu'en ce moment je suis un petit peu plus active sur TikTok et Instagram, mais aujourd'hui je vous emmène dans mon quotidien d'hôtesse de l'air et notamment sur mes 4 jours de réserve. Je vais peut-être commencer par me présenter parce qu'il y a peut-être des nouveaux ici. Je m'appelle Myloan, j'ai 25 ans. Je suis hôtesse de l'air depuis à peu près 6 ans et ça fait maintenant quelques années que je vous partage un petit peu mon métier sur les différents réseaux sociaux. Aujourd'hui je suis de réserve et pour ceux qui ont aucune idée de ce que ça veut bien dire une réserve, c'est un blog de plusieurs jours, notamment 4 pour aujourd'hui, sur lesquels tu es à disposition de ton entreprise qui peut t'envoyer dormir n'importe où. En gros, tu vas faire du remplacement. Si jamais il y a une hôtesse de l'air ou un steward qui est absent sur un vol, et ben ils ont un petit groupe de gens qui attendent à l'aéroport et ils piochent et tu vas à San Francisco. Toi, tu vas à Los Angeles. Aujourd'hui, j'ai regardé les places disponibles un peu sur les vols. Il y a de grosses chances pour que je parte à New York, mais je suis absolument pas sûre. Donc ça se trouve, je vais juste rentrer chez moi ou ça se trouve, je vais aller à La Réunion, n'importe. Avant de commencer la vidéo, je vous mets mes différents réseaux sociaux ici. C'est notamment sur TikTok et Insta que je suis le plus active. Donc si vous voulez vivre un petit peu mon quotidien tumultueux, c'est par ici que ça se passe. Et il y a surtout beaucoup de gênance et de spontanéité. Bon, on la commence cette vidéo ? 3, 2, 1, c'est parti. J'ai longtemps fait partie de la team fer à repasser, mais depuis que je suis passée au steamer, ça m'a changé la vie. Le défroisseur à vapeur, c'est vraiment le meilleur ami des hôtesses de l'air. Quand mes cheveux sont aussi emmêlés, j'ai pas 30 000 solutions de coiffure, je vais les tirer, les plaquer, mettre du gel, de la cire, de la laque. Je vais faire la technique du collant pour les attacher, alors vraiment c'est à ne pas reproduire parce que ça abîme énormément les cheveux, donc j'évite vraiment de le faire, mais là j'ai pas le choix. Une fois que j'ai bien attaché toute ma grosse touffe, je vais venir faire un chignon et une fois que je serai à l'aéroport, j'achèterai une résie pour que ce soit bien net. Pour le make-up, j'ai décidé de faire un truc très léger parce qu'il fait super chaud dehors et j'ai pas envie d'avoir une grosse couche de maquillage, mais je vais quand même respecter le manuel des règles de port de l'uniforme, à savoir le teint unifié. Donc pour ça, je prends une CC crème qui va être très très légère. Je mets 2-3 coups de crayon dans mes sourcils pour combler les trous, un petit peu de mascara, on le voit pas mais en off, j'ai fait un fard à paupières beige, et je termine avec une touche de rouge à lèvres. Cette couleur, je la trouve très très élégante et délicate. Et c'est parti pour une destination surprise ou un retour maison, je sais pas trop, c'est un peu l'aventure. D'habitude, je suis un peu plus stressée que ça quand je pars en vol, mais là je sais que j'aurai le temps, une fois que je serai arrivée à l'aéroport, de me changer et tout, parce que c'est très très rare qu'on soit déclenché au moment même où on pointe, et en plus j'ai déjà un peu d'avance. Pratique d'avoir un cadreur quand il cadre bien. Vous savez quoi, à chaque fois c'est un vrai challenge de filmer quand il y a plein de monde autour. Là je suis dans la gare, je me suis rendu compte que j'avais oublié de prendre du vernis et je vais essayer de trouver aussi un filet pour les cheveux. J'ai pas trouvé de filet mais j'ai trouvé ça et je trouve ça trop trop chou. J'ai trouvé quelques vernis super mignons, notamment ce transparent irisé, et la vendeuse était trop trop gentille, en plus elle était abonnée à moi sur TikTok, ça fait toujours trop plaisir. Il y a plein de gens qui détestent être de réserve, moi j'adore, je sais pas pourquoi, j'aime bien le folklore de pas savoir où tu vas dormir le soir. Là il est 14h15, je suis de réserve de 15h jusqu'à 21h, donc j'ai 6h pour être déclenchée sur un vol si jamais il y a un absent ou une absente. Je suis allée à la boutique du personnel pour trouver une résie pour mon chignon, j'ai pris aussi un porte-clés flamme arc-en-ciel parce que ça faisait trop longtemps que j'en voulais. Ensuite je suis allée aux cabines pour se changer et j'ai mis la moitié de mon uniforme. Là je fais la technique du tout sauf le t-shirt comme ça, je sais que pendant ma réserve je vais pas transpirer dans mon t-shirt et si jamais je suis pas rappelée et que je suis rappelée demain, et ben j'aurai quand même mon t-shirt propre. Pendant la réserve, tu essaies de t'occuper comme tu peux mais tu finis toujours un peu par tourner en rond. J'ai pris un café, j'ai lu, j'ai pris un café, j'ai fait mon vernis, j'ai repris un café, j'ai regardé une série, j'ai repris un café et je me suis vraiment ennuyée jusqu'au moment où... Les avions pourraient s'arrêter de voler pendant que je filme, s'il vous plaît. Recoucou, il est 21h, j'ai terminé ma réserve pour aujourd'hui, je dois revenir demain. En réalité, ça fait 1h30 que je sais à peu près que je vais pas partir parce que je couvrais aucun vol, il y avait pas d'absent, les vols avaient décollé, enfin bref. J'étais là au cas où. Et ce cas où n'est pas arrivé, donc retour maison, dodo, et on recommence demain matin. Et pour vous, c'est dans une seconde. Et encore une journée pleine de surprises qui commence. Où vais-je dormir cette nuit? Dans mon lit, à Bali, à Miami? Nul ne le sait. Tout ce que je sais, c'est que j'ai la dalle, donc je vais essayer de me trouver un truc à manger. J'ai pris ma décision d'ailleurs, j'entame un nouveau régime, j'ai envie de perdre du poids. Donc je vais voir ce que je peux trouver, et en espérant que cette fois-ci je tienne un peu plus que 3 mois. Ça va finir par me ruiner parce que je comble toutes mes envies de fast-food par des sushis et ceux de Monoprix sont hors de prix. Ah oui, et hier je vous disais que j'avais toujours un peu honte de filmer dans les gares et les aéroports ou tous les endroits où il y a du monde. Et bah sachez que j'ai découvert un truc, c'est que tout le monde s'en fout autour. C'est-à-dire que vraiment tout le monde s'en fout. Donc je vais continuer.
Et ben voilà, je suis déclenchée sur Atlanta, donc je vais vite enfiler mon uniforme, rejoindre les autres en salle de briefing, et c'est parti pour l'aventure. Je viens d'arriver. Le vol à rallonge, la navette à rallonge, je suis explosée. Je vous présente mon meilleur ami, Fred, Fred the Bed. C'est auprès de lui que je veux passer une douce nuit. Les pilotes viennent de proposer un resto et il est 20h ici, donc il est à peu près 2h du mat à Paris, sachant qu'on a bossé toute la soirée, toute la journée. Donc moi j'ai fait non, c'est pas possible. Et ensuite eux ils ont dit ouais mais on paye la tournée. Du coup j'ai dit bah ok, d'accord, j'arrive. À dans 20 minutes. Donc c'est parti, j'enfile une tenue décente et on va manger un coup. Et après on va dormir. Eh, vous voulez voir un tour de magie? Très gênant. Tadam! Et on n'oublie pas le kawaii pour la route. Parce que là on est légèrement en alerte tempête, orage et je ne sais quoi. Swag ou pas? On est sorti boire un verre avec l'équipage, on n'est pas resté très longtemps, j'avais pas faim et j'étais super fatiguée. Oh, la tête de fatiguée. Ça fait un peu plus de 2 heures qu'on est rentré du resto et j'arrive pas à dormir, c'est horrible. Il y a 6 heures de décalage, il est 7 heures du mat à Paris, donc c'est comme si c'était une nouvelle journée qui commençait. Et c'est comme si ma nuit blanche s'était annulée et que là je devais repartir pour une nouvelle journée. Genre vraiment, mon corps est fatigué, ma tête est fatiguée, mais j'arrive pas à dormir et c'est horrible. Je sais que je suis pas la seule hôtesse de l'air à vivre des problèmes comme ça de sommeil, mais là ça devient un peu pénible. Parce que là clairement mon corps a besoin de 31 heures de sommeil et ma tête vient de lui dire « Eh non, perdu, tu dormiras un autre soir. » Écoutez, je vais quand même réessayer et demain est un autre jour. Ciao. Coucou. Il est 9h17 ici. 11, 12, 13, 14, 15. Ça veut dire que je me suis réveillée à l'équivalent de 15h en France et là je suis en train de faire des achats compulsifs sur Vinted. Un conseil pour votre portefeuille, ne sortez pas Vinted ou n'importe quelle autre application de shopping quand vous êtes fatigué ou jetlagué. Là, je suis en train d'acheter tout et n'importe quoi alors qu'on est le 22 du mois. Allez, stop. J'arrange ma tête, je descends au petit-déj et je vais sortir un petit peu dehors voir ce qui s'y passe. Je suis passionnée par les buffets d'hôtels, de petit-déjeuner. Tu peux manger tout ce que tu veux. Je me suis fait un petit-déjeuner de champion. J'ai mangé pour toute la journée. Je voulais pas vraiment sortir ma caméra maintenant parce que je trouvais ça con de me filmer en train de pleurer. Mais en fait, je voulais aussi vous partager une autre facette de mon métier, c'est-à-dire que quand t'as des problèmes à Paris et que ça va pas bien dans ta vie, bah des fois c'est un peu dur de se retrouver à l'autre bout du monde. Alors ok, t'as des belles escales, t'as le soleil, la plage et tout, mais là par exemple je suis à Atlanta, il y a de l'orage, je suis toute seule dans ma chambre d'hôtel et j'ai personne à qui parler et je vais pas bien. Et même si c'est pas aussi fun que d'habitude comme contenu, je trouvais ça aussi important de vous partager ces moments-là. Garde ta spontanéité. On va sur des choses qui peuvent être un peu plus critiques. Tu pouvais faire un peu le curseur, mais tu fais pas un virage à 180 degrés, tu vois. Non, mais ça veut pas dire devenir quelqu'un d'autre, me restreindre et tout, mais c'est juste. Faut vraiment que je grandisse et que je me dise, tu fais des choses dans ta vie qui ont un impact sur pas que ta vie, mais aussi la vie des autres. Bon, allez les gars, c'est bon, on est en Amérique, on se laisse pas abattre, on sort, on va faire un petit peu de dopamine, on va acheter des trucs pour combler ces problèmes en dépensant de l'argent que je n'ai pas. Là, ma technique pour vaincre ma déprime, c'est de faire comme si tout allait bien. Donc je vais accrocher un smile sur mon visage, je vais mettre une petite playlist un peu cool et c'est parti, on va passer une bonne journée. Hey, mais ce serait pas le super moment de la journée où je vous montre tout ce que j'ai acheté ? Alors, qu'est-ce qu'on a pour 150 balles chez Marshalls? Du coup, j'ai craqué sur le rose et le vert. Ils sont trop trop beaux, un peu holographiques. Je sais pas si on dit ça comme ça. Irisé, holographique, je ne sais rien. Ensuite! Ah oui, parce que moi je suis partie avec une petite valise cabine, donc j'ai dû acheter un sac en tissu comme ça pour être sûre de pouvoir tout ramener. J'ai pris des Skechers, mais ça c'est pas un achat compulsif, c'est pour la bonne cause, c'est parce que j'ai décidé, et je le dis là devant toute la France, enfin devant les 4 personnes qui me regardent, que je me remets au sport.
Ok, ça c'est éclaté au sol, je sais pas pourquoi j'ai pris ça, c'est des tongue scrappers, des gratte-langues pour gratter la langue, je sais même pas pourquoi j'ai pris ça. Dans la catégorie des choses inutiles, j'ai noté les moules à pancakes en forme de cœur. J'ai repris des sachets de thé, vous savez, les infusions à froid, donc les sachets que tu mets dans l'eau froide et qui font quand même du thé. Donc ça c'est des sortes de coton-tige mais en silicone, ça pareil, je sais pas pourquoi j'ai pris ça. J'ai pris des masques parce qu'en ce moment je suis déprimée et je trouve que c'est cool de faire des masques quand on est déprimée. Pareil, ça sert pas à grand chose, mais j'ai pris des moules à glaçons en forme d'alvéoles. J'ai pris des débardeurs brassières comme ça que je trouve bien, enfin je les trouve super cool, la matière est assez épaisse et comme je porte quasiment que ça comme sous-vêtements, bah voilà, c'était cool d'avoir un petit stock. J'ai pris des moules en silicone pour faire des glaces. Ça, j'ai trop craqué dessus, vous allez vous dire, mais c'est quoi ce truc nul? Mais en fait, je l'ai trouvé dans le rayon des mecs et il traînait un peu par hasard, comme ça, sans code barre, sans étiquette et tout. Et j'ai grave vu une vibe. Et j'avais sauvegardé d'ailleurs une épingle sur Pinterest avec une fille qui portait un truc comme ça, avec un petit haut et tout, c'était trop beau, je vais vous montrer. Nous qui parlions de sommeil hier soir, ben en fait, finalement, j'ai recraqué, donc j'ai repris des comprimés à la mélatonine. J'ai pris un eyeliner feutre, je sais pas ce qu'il donne, je vais l'essayer tout à l'heure, ben, on l'essayera tout à l'heure en vidéo. Et je me suis aussi refait un petit stock de produits Shea Moisture, ce sont pour moi les meilleurs produits pour les cheveux que j'utilise depuis des années. J'ai essayé plein de marques, mais celle-ci, pour moi, c'est la marque qui va le mieux à mes cheveux, notamment cette gamme Jamaican Black Castor Oil. Voilà, voilà. Je vais tout remballer et je vais tout redéballer sur TikTok pour faire un unboxing. 150€ de shopping aux États-Unis. 150€ de shopping aux États-Unis, ça donne quoi? Salut la zone. Je ressors, j'ai changé de tenue, j'ai mis des choses que j'avais achetées et je vais aller faire des petites photos dehors. Donc j'ai pris cette tenue là, mes lunettes de soleil, j'ai pris deux mugs. Il y en a un qui va me servir d'accessoire et il y en a un qui va me servir de trépied. Ça marche très bien, vous allez voir. Et on va surtout prier pour ne croiser personne. Alors c'est bien parce que j'ai l'air super maline avec ma tasse de thé dans la rue là. Alors j'ai rien trouvé de sympa mais il y a un mur comme ça un peu marron avec des détails végétaux et je trouvais ça plutôt cute. Donc j'ai installé mon téléphone ici. Et ensuite je vais sur l'application, coucou, et ensuite je vais sur l'application Lens Buddy et je choisis de faire genre 25 photos toutes les 5 secondes. Donc là ici il est 16h50, on est réveillé à 20h35 pour un départ de l'hôtel à 21h35 et j'aimerais pouvoir dormir à peu près 3h. Donc là j'ai 45 minutes et je vais descendre à la salle de sport essayer de faire un footing sachant que ça fait plus d'un an que j'ai pas couru et que déjà il y a un an je courais mal. Donc ça va être un carnage mais faut y aller, allez faut se motiver. Je viens de courir 30 minutes, je suis lessivée. Franchement, je sais pas comment ils font les gens qui courent 1h30, 2h, ceux qui font les 10 km et tout. Je comprends pas. Là, je suis au bout du Rolls, alors que j'ai couru que 30 minutes. Donc après cette séance de sport tumultueuse, je retrouve ma chambre dans un bordel pas possible. Je sais même pas comment je suis capable de retourner une chambre d'hôtel en moins de 24 heures en fait. J'aurai pas mes 3 heures de sommeil, parce que j'ai un petit peu dépassé sur le temps, mais pour pas être angoissée, parce que j'ai tendance à un peu paniquer sur mes heures de sommeil et tout, et à grave cogiter quand tout n'est pas prêt, je vais d'abord tout ranger, tout préparer, et comme ça je sais que quand je peux dormir, je dors sereinement. Je sais que j'ai plus toute ma valise à faire et tout, donc là je vais packer mes affaires et on remballe et on dort et on... Waouh, 20h35, le réveil vient de sonner. Ça va être très très compliqué là parce que j'ai dormi 30 minutes et je pars bosser toute la nuit et demain quand j'arrive il sera 14h à Paris. Je vais aller me préparer. Bon, je suis quasi prête, il me reste quelques trucs à finaliser, je vais descendre au pick-up, je vais voir si j'assume. Si ce vlog sort, ça veut dire que je suis encore en vie. Si ce vlog ne sort jamais, ça veut dire que je suis morte de fatigue. Gros bisous!